Voici devant moi le Mini Korg 700S original, sorti en 1973. Et derrière, vous pouvez voir le nouveau 700S, qui sortira dans quelques mois. Nous avons fait le maximum pour reproduire la beauté de l'original en soignant tout particulièrement son apparence. L'original était initialement conçu pour être placé au-dessus d'autres instruments électroniques. Et nous n'avions jamais imaginé qu'il finirait par être utilisé seul sur scène. Comme vous le savez, les orgues électroniques ont deux niveaux de touches. Le 700S avait été conçu pour être un instrument solo placé au-dessus de ces deux claviers. Les années 70 ont été l'âge d'or des orgues électroniques. Du moins, c'était dans ces années-là. C'était peut-être sur la fin des années 70, plus proche des années 80. Chaque fois que les orgues étaient joués, comme un instrument solo, quelque chose semblait manquer. Nous voulions donc faire un instrument qui se démarquait vraiment, comme l'aurait fait un violon ou un hautbois. C'est alors que nous avons eu cette idée. Au moment où nous avons créé le 700S, nous connaissions déjà les synthétiseurs. Mais jusque-là, nous n'avions encore jamais entendu le nom synthétiseur. Nous avons fini par faire le prototype numéro 1 sans comprendre ce qu'était réellement un synthétiseur. Ça ressemblait à un orgue, non? Bien que ce prototype ait été fabriqué en 1970, il y avait en fait déjà un synthétiseur à l'intérieur. Il y avait deux composants dans ce produit, un orgue et un synthétiseur. Jetez un coup d'œil. À l'intérieur, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de fonctions différentes. Voici les clapets en bois, et voici le traveler, qui est un filtre pour contrôler le passe-bas et le passe-haut. Voici le portamento, et voici même un joystick. De nos jours, ce sont les caractéristiques standards pour les synthétiseurs. Et ici, ce sont les voyelles A, I, U, E, O. Ils produisent des sons de voix humaine. Et là, ce sont des sons de percussion. Il y a aussi un générateur d'enveloppe qui est contrôlé par un sélecteur. Et il y a aussi des sons prédéfinis. Techniquement, c'est une combinaison d'un orgue et d'un synthétiseur. Mais à l'époque, nous ne savions pas que nous étions en train de faire un synthétiseur. Nous nous sommes simplement concentrés sur la fabrication d'un instrument solo au son exceptionnel. Plus tard, nous avons sorti cet orgue. Il ne s'agit pas d'un hybride, mais d'un orgue véritable. Le prototype présenté précédemment contenait à la fois un orgue et un synthétiseur. Mais comme nous ne nous attendions pas à ce que les synthétiseurs solo se vendent, nous avons décidé de nous concentrer d'abord sur les orgues. C'est donc un orgue combiné. Le nom Korg, K-O-R-G-U-E, est intéressant, n'est-ce pas? Ici, vous pouvez voir le curseur du Traveler. Bien qu'il s'agisse d'un orgue, nous nous sommes assurés d'inclure quelques fonctionnalités intéressantes. Malheureusement, cet instrument ne s'est pas bien vendu, probablement parce qu'il était trop cher. Cependant, cela nous a conduit à rediriger notre attention vers les synthétiseurs. Et nous avons donc décidé de nous attaquer à nouveau aux instruments solo. C'est ainsi que nous avons créé le Mini Korg 700. Cela a pris pas mal de temps, depuis le développement du prototype, mais ceci résume bien la genèse du Mini Korg 700S. Le bouton du Traveler. Lorsque nous avons fabriqué le 700S, le président d'Unicord, notre distributeur américain de l'époque, a vu le prototype et il était sûr qu'il se vendrait très bien aux États-Unis. Il a donc passé une commande importante. Cependant, il a demandé également un petit ajustement spécialement pour les États-Unis. Le curseur était conçu de manière à ce que la glissière soit bloquée par une protubérance. Cette conception était intentionnelle et nous permettait une utilisation facile du curseur. Néanmoins, il a suggéré de retirer cette protubérance, cela permettrait d'étendre le balayage du filtre. Mais en même temps, il fallait être conscient qu'il serait plus difficile pour les débutants de l'utiliser.
C'est pour cette raison que les modèles américains n'ont pas assez buté, tandis que les modèles japonais et européens ont gardé les boutons intacts. Je n'oublierai jamais cet épisode. À propos du son, quelques années plus tard, la série MS est sortie. Le MS-20 était un modèle très populaire. Comparé au 700S, ce produit présentait une nette différence de conception. Le MS-20 permettait aux jeunes musiciens de créer leur propre patch unique. Nous avons mis l'accent sur cette liberté de création en ajoutant de nombreuses fonctions et en rendant le produit interactif. Cependant, le 700S était différent. Et il n'avait pas ses fonctions supplémentaires. Nous nous sommes concentrés uniquement sur la qualité du son. L'ajout de gadgets uniques ou l'inclusion d'une fonctionnalité exceptionnelle ne nous a même pas traversé l'esprit. Notre objectif ultime était de créer le troisième niveau de couche pour les orgues électroniques. Donc avoir ce genre d'état d'esprit semble inévitable. La différence est claire. Si vous avez l'occasion, essayez de comparer le son du 700S et du MS-20. De nombreuses personnes ont dit que le 700S avait un son plus riche, plus musical. Pendant le développement, nous ne nous sommes jamais vraiment posé la question sur ce point. Rétrospectivement, nous avons rarement regardé les oscilloscopes pour vérifier si les bonnes ondes étaient synthétisées. Même si les ondes sonores semblaient bizarres, cela n'avait pas d'importance pour nous, tant qu'elles sonnaient bien à l'oreille. Nous sommes bien tous d'accord. Une hauteur de son précise. Les années 70 ont connu l'explosion des synthétiseurs analogiques. Un problème récurrent avec les synthétiseurs était qu'ils ne restaient tout simplement pas accordés. La plupart des instruments mettaient au moins 10 minutes après leur mise sous tension pour que l'accordage se stabilise. Cependant, être capable de produire une hauteur de son précise était crucial pour le 700S, car il était conçu pour être le troisième clavier de votre orgue. Les sons produits par les orgues électroniques étaient stables et la hauteur du son ne se déréglait jamais. S'il était joué en conjonction avec un tel instrument, à la hauteur parfaite, l'accordage du 700S ne pouvait pas se dérégler. Ça se serait entendu immédiatement en générant une dissonance insupportable pour l'oreille. Afin de produire une hauteur de son précise, nous avons donc incorporé la méthode de la tension par échelle. Cette méthode était unique au Minicorg 700S et a été en mesure de produire des hauteurs extrêmement précises. Quel niveau de précision, me demanderez-vous ? Eh bien, sachez que 2 ans après la sortie du 700S, nous avons sorti notre tout premier accordeur électronique. Ce fut le premier accordeur électronique au monde. Et cet accordeur avait le même VCO et les mêmes données sonores que ceux utilisés dans le Minicorg 700S. C'est-à-dire à quel point les hauteurs de son étaient stables. Comparé à la plupart des synthétiseurs modernes, il a une forme assez différente. Et cela peut amener certains à penser que le 700FS sera difficile à utiliser. Mais pour les débutants qui s'initient au synthétiseur, il a une courbe d'apprentissage beaucoup plus douce. Actuellement, la plupart des synthétiseurs sont jugés sur la base de leur VCF ou de leur VCO. Mais il existe d'autres façons d'aborder les synthétiseurs. Ce produit vise à permettre aux débutants de comprendre immédiatement ce qu'un synthétiseur peut faire. Ce que nous avons pu accomplir avec le 700FS. Avec le 700FS, nous avons été en mesure d'incorporer de nombreuses fonctionnalités qui n'avaient pas pu être ajoutées au 700S en raison des impossibilités technologiques de l'époque. L'un des ajouts est l'unité de réverbération intégrée. À l'époque, les pièces électroniques prenaient beaucoup trop de place.
ne laissant pas assez de place justement pour pouvoir installer une réverbération. Mais maintenant, nous disposons de la technologie. Nous avons pu intégrer cette réverbération. Vous voyez aussi ce joystick ici ? Le prototype du 700S avait en fait un joystick. Mais nous n'avons pu trouver le bon à temps pour la sortie officielle. Cette fois-ci, nous avons pu garder le joystick. Et vous vous souvenez du bloqueur, là, de ces protubérances pour bloquer les curseurs du Traveler ? Les modèles américains n'avaient pas de butée alors que les modèles européens en avaient une. En fin de compte, nous ne pouvions pas peser les avantages et les inconvénients d'avoir des butées. Nous avons donc fait en sorte d'inclure les deux types de boutons interchangeables avec le synthé, afin que vous puissiez passer d'un modèle avec butée à un modèle sans butée, selon votre choix. En outre, parce que c'était totalement inédit à l'époque du premier prototype, nous n'avions même pas envisagé une mémoire supplémentaire. Cependant, pour correspondre aux demandes d'aujourd'hui, nous avons fait en sorte que les patchs puissent être sauvegardés. De plus, si vous appuyez assez fort sur les touches, vous découvrirez un second synthétiseur. Le joueur pourra expérimenter de nombreuses combinaisons grâce à l'Aftertouch. Cette fonction n'est probablement pas nouvelle ni innovante, mais il y a beaucoup de fonctions qui n'étaient pas sur l'original, alors n'hésitez pas à les découvrir par vous-même.